Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs étant en bas, donc pratiquement toutes les pièces sur l'échiquier dans cette position, il y a eu un échange de cavaliers, c'est tout, et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les noirs sont un petit peu resserrés, hein, avec leurs pièces un peu bloquées et pas développées d'ailleurs, hein, fou cavalier. Les tours sont pas en liaison. Bon, les blancs ont fini évidemment leur développement depuis longtemps. Il y a eu un pion de retard, mais des pièces en direction du roi. Malgré tout, on voit la tour hein, qui peut coulisser sur l'aile roi, le fameux passage en équerre. La dame sur la diagonale en direction du pion, le fou, le cavalier. Plein de pièces blanches qui peuvent arriver à toute vitesse pour créer des menaces sur le roi, bien évidemment. On peut d'ailleurs penser à ce coup de tour, hein, qui a l'air intéressant, avec une menace discrète, évidemment, ici. Peut-être que dans ce cas-là, les noirs pousseraient leur pion pour bloquer la diagonale tout en attaquant la tour avec le fou. Bon, du coup, on va regarder en priorité les coups forcés. Alors, c'était un coup forcé, hein, c'est une menace de mat, mais il y a probablement un coup plus forcé dans cette position, évidemment, hein, vous l'avez vu, hein. C'est le seul échec de la position. Est-ce qu'il est bon? Alors, il faut l'étudier, de toute façon, ça c'est obligatoire. Du coup, le seul échec de la position, après, quand le roi va prendre, la tour va donner échec, évidemment. Donc le seul échec de la position, bien sûr, c'est celui-ci. Le roi prend, petite attraction, la tour va donner échec. Le roi ne pourra pas revenir en H8, hein, parce que sinon il va tout de suite y avoir un mat avec le fou. Donc le roi va être obligé de se mettre en H6. Est-ce qu'on a assez de pièces pour attaquer? Il y en a quand même pas mal, hein. Il y a tour, deux fous, un cavalier, je pense. Les deux fous, le fou blanc peut arriver rapidement, le cavalier quand même pas loin. Donc il peut y avoir une belle attaque. Avec le roi en H6, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va continuer à faire échec, je pense. Fou G5. Le roi, alors si le roi revient où il était, on aura un échec à la découverte intéressant qui devrait réussir à faire quelque chose. Par contre, si le roi vient en H5, ce sera peut-être plus compliqué. Si le roi vient en H5, il y aura encore un échec avec la tour. Le roi pourra revenir en G6 et là, il va s'enfuir, j'ai l'impression. Alors, est-ce que cette variante est bonne? Peut-être qu'il y a des bons coups à trouver quand même après. Donc du coup, dame prend G7, roi prend, tour G4 échec, roi H6, qu'est-ce qu'on va jouer? N'hésitez pas à mettre la pause dans cette position, parce que je pense que il va y avoir un mat quand même pour les blancs, mais il faut trouver des coups précis. Alors, ça peut être rigolo de jouer fou G5, roi H5 ici, sachant que... Là, effectivement, on pourrait probablement jouer un coup qui va menacer mat dans cette position sans faire échec. Donc tour H4, roi G6, le roi s'enfuit. Par contre, une menace de mat peut être intéressante. Alors, c'est pas une menace de mat en un coup. C'est une menace de mat en combien de coups exactement? Une menace de mat en deux coups, tout simplement. Hein. Menace de mat en deux coups, c'est-à-dire le premier coup, c'est un échec forcé, le roi bouge et c'est mat au coup suivant. Donc c'est intéressant à trouver la menace de mat ici. Est-ce que c'est la seule qui permet de gagner? C'est possible. C'est possible parce que sinon le roi peut s'enfuir quand même. Hein. Les noirs ont quand même pas mal de matériel en plus. Il faut faire attention à être très précis dans les coups. En tout cas le coup n'est pas évident à voir. Encore une fois le coup tour H4 n'est pas bon parce que le roi s'enfuit. Hein. Il va en G6 et après il menacera de partir en G7, la tour en H4 n'est pas si bien placée. Le coup qui menace mat n'est pas évident dans cette position. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme coup? Si on bouge le cavalier, on va menacer effectivement une découverte hein, de la tour avec le fou de case blanche, mais est-ce que c'est une menace de mat? Alors si on met le cavalier en E5, oui, mais il va être pris par le fou. Et là, je pense pas qu'il y aura de mat par la suite. Si on met le cavalier en D4, la case en G6 va toujours être libre, hein, donc les noirs pourraient éventuellement jouer un coup comme F5 hein, sur cavalier en D4. Les noirs pourraient jouer un coup comme F5 et libérer cette case en F7 pour le roi et du coup éviter le mat. Hein. Alors évidemment, les noirs peuvent rendre la dame, hein, ils ont beaucoup de matériel en plus. De toute
toute façon, pour éviter le mat, il n'y a pas trop le choix, certainement. Un bon coup à trouver, n'hésitez pas à mettre la pose dans cette position. Le coup est quand même pas évident, pas évident, pas évident. Menace de maton deux coups avec les blancs. Donc, on va empêcher le roi de revenir en G6. Voilà, c'est le secret. On va empêcher le roi de revenir en G6 pour pas qu'il puisse s'enfuir. Et on va mettre le fou. Le fou va bouger en fait. Et on va mettre le fou en F6. Alors, ça c'est compliqué parce qu'on s'est dit, bah, la tour est en prise. Eh oui, mais si le roi prend la tour, eh ben, il est mat en un coup. Eh oui, c'est pas évident hein, de voir que c'est mat en un coup quand même. Hein. Il y a certains mat en un coup qui sont parfois difficiles à voir. Eh oui, roi prend tour. Là, on fait bien mat en un coup. Il y en a même deux, je pense, des coups qui font mat. Hein. En fait, il suffit de bouger le cavalier pour faire échec à la découverte et contrôler cette case. Du coup, le cavalier a deux cases pour ça. Hein. Donc, le mieux, c'est vers le centre, évidemment. Hein. Voilà, cavalier D4 mat. Grâce aux deux fous et au cavalier. Et puis, bien sûr, à tous les pions hein, qui sont là pour contrôler les cases. Du roi noir hein, qui est complètement fusillé par les pièces blanches. Oui, la tour est imprenable. Du coup, ce coup de fou menace mat en deux coups avec la tour qui donne échec en G5 et ensuite le fou qui donne mat en G7. Les pièces noires sont complètement bloquées sur les dames, hein, ne peuvent pas revenir défendre le roi. Il n'y a que la tour qui peut venir en G8, mais bon, elle serait en prise, hein, donc on la prendrait, et ça ferait que retarder d'un coup. Si le fou peut reprendre le pion en H2, bah, ça ne sert à pas grand-chose non plus. Hein. On pourra prendre le fou avec le cavalier, ou même ne pas le prendre, hein, bouger le roi en H1 si on veut. Hein. Ça ne fait que retarder d'un coup. Voyons, est-ce qu'on peut jouer le roi en H1? Oui, bien sûr, on peut, hein, parce que. S'il fait roi prend tour, c'est toujours mat. Oui, le pion H2 n'était pas forcément utile, puisque le pion F2 est là pour contrôler la case en G3, évidemment. Hein. Bon, après, on peut prendre le fou aussi avec le cavalier, puisque la tour est protégée de toute façon maintenant, donc elle ne peut pas être prise. Et on menacera quand même mat. Alors, pas tout à fait de la même façon, mais on peut menacer mat par exemple avec tour G3 échec hein, et fou G7 mat. Ou même le cavalier peut donner mat maintenant en faisant tour G5 échec et cavalier G4 s'il vient en H6, etc. Plein de mats différents. Donc, petite destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec un petit échec ici. Ensuite, une menace d'attaque à la découverte avec la tour. Enfin, avec le cavalier, hein, si jamais il prend la tour, et puis voilà, s'il fait H6, donc pour parer la menace tour G5, oui, ouais, c'est encore un coup, effectivement, encore un coup possible pour éviter le mat avec tour G5. Donc ici, par contre, le pion H6, évidemment, bloque une dernière case pour le roi. Donc, pas de mat forcé pour l'instant, enfin, pas d'échec forcé qui donne mat. Par contre, il y a bien un mat en deux coups, je pense. Oui, mat en deux coups imparable ici. Mat en deux coups imparable, on ne peut rien faire. Je pense qu'il y a plusieurs solutions à nouveau. Hein. Donc on pourrait bouger la tour et faire une découverte de cavalier, mais ce ne serait pas mat en deux coups. Quoique si, parce que s'il prend le pion, le cavalier pourra reprendre. Et ce sera mat. Par contre, si on met la tour ici, il peut pousser le pion. Et du coup, couvrir l'échec avec le fou. Ce sera mat en trois coups. Bon. C'est bien aussi, mais si on veut faire mat en deux coups, il faut bloquer ce pion d'abord. Voilà, on va d'abord mettre le cavalier. Voilà, on fait mat en deux coups, du coup, comme ça, puisque au prochain coup, on bougera la tour et on va faire mat. S'il prend le cavalier, on met la tour sur G7, par exemple, hein, sur la colonne G pour donner mat. Et sinon, si par exemple il attaque le fou, hein, en disant s'il fait tour G7, fait dame prend fou, ben là on fait un échec double, évidemment. Donc celui-ci, c'est celui-ci qui donne mat. Hein. Tour H4 mat, voilà. Petit sacrifice de dame, sympathique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.